mesdames et gentils messieurs, bien le bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Benjamin de Lestrée, maître d'œuvre auprès de monsieur de Vauban. Avant de rentrer dans cette église, j'ai deux choses à vous dire. La première, on va rentrer dans une église, c'est un endroit de culte, et je vous demanderai de le respecter en tant que tel. Le deuxième, c'est qu'après le spectacle, je vous demanderai de ne pas bouger de vos places avant qu'on ne vous invite. Bonne soirée, et suivez-moi. Qui étaient les Templiers ? Des êtres mystérieux. Qui sont-ils ? Encore aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Le mythe est tenace. L'ordre des Chevaliers du Temple est né en 1128, créé par Hugues de Payen et quelques-uns de ses compagnons. Leur but ? Aller en Palestine, protéger le Saint-Sépulcre, ainsi que les pèlerins. Ils s'appelèrent d'abord les pauvres Chevaliers du Christ. Et arrivés sur place, étant accueillis par le roi Baudouin II de Jérusalem, il les logea dans son temple. Or celui-ci, si vous le savez, était bâti sur les ruines du temple du roi Salomon. D'où ce nom chevalier du temple ou les Templiers. Ces hommes vivaient selon la loi de Saint-Bernard, partageant tout, que l'on soit chevalier, sergent, serf ou homme libre. Ils partageaient donc tout, les bâtiments, le mode de vie. La plus grande représentation qui le prouve, c'est que souvent on représente le chevalier templier avec son écuyer sur la même monture. Mais l'ordre grandissant, ces gens, il fallait bien les nourrir, il fallait bien les vêtir, il fallait pouvoir assurer, comme on dirait-on de nos jours, la logistique. Pour cela, ils vont devenir bâtisseurs. Et sur le réseau de la France, vont pousser des fermes fortifiées, qu'on appelle commanderies. Et à partir de là, ces gens qui étaient érudits vont prendre plus de connaissances, se poser des questions, et bien vite, en érudits qu'ils étaient, en comparant les dogmes de la religion chrétienne, ainsi que celle de la religion musulmane, ainsi que celle de la religion juive, ils vont se rendre compte, mais on peut adorer le même Dieu avec une vision différente. Et à partir de là, ont commencé les problèmes. Le concile de Troyes qui avait béni
la création de l'ordre du Temple va se dire, mais quels sont ces moines? Quels sont ces gens qui se présentent comme hommes d'église, portent épée, font du commerce? On dit qu'ils amassent des richesses considérables. Et là, que va-t-il se passer? Ils vont devoir rentrer en France. Ils vont s'établir en enfer fortifié. Et là, le mystère va s'épaissir encore plus. Parce que, avec la réputation de guerrier, et partout où ils passaient, les biens étaient protégés, les voyageurs vont se mettre sous la protection des Templiers. Les commanderies étaient espacées environ une quarantaine, cinquantaine de kilomètres. Et là, mes amis, un système bancaire va se mettre en place. La lettre de change va être inventée par les Templiers. Le voyageur arrivant à point A va confier son argent, recevra une lettre, va poursuivre son voyage de commanderie en commanderie, sous la protection des chevaliers, et arrivé à l'issue de son voyage, contre sa lettre, il retrouvera son argent. C'est magnifique, c'est merveilleux. Mais là encore, le doute va s'installer. Ils sont si riches en même temps. Comment font-ils? Quel est tout cet or, dit-on, qu'ils amassent? Ne serait-ce point des sorciers? Ne serait-ce point des alchimistes? Non, mon ami, non. Tout simplement, des érudits. Et là, vont commencer les ennuis. Parce qu'ils vont continuer à s'occuper de cet argent. Cet argent aujourd'hui qui tourne la tête à pas mal de ceux qu'ils possèdent. Leur malheur va arriver. Notamment sous le règne de Philippe le Bel. Philippe le Bel, au bord de la ruine, se disait qu'il faut que je devienne maître du temple. Je connaîtrai ainsi les secrets de la chimie, je fondrai de l'or, à moi les richesses. Mais cela se passe à point comme ceci. Jacques de Molay, le dernier grand maître, va le payer de sa vie, ainsi que 800 de ses compagnons. On aurait pu croire que l'ordre est éteint. Mais ça, mes amis, c'est une autre histoire. Je n'ai point le temps de vous la conter ce soir, car les couloirs du temps vont bientôt se refermer. Et déjà, je perçois les bruits du noble cortège. Il est temps pour moi de regagner l'eau. Serviteur. Thomas, moi, Jacques de Thézelibus, commandeur et frère élu du
Demandé en ce lieu consacré pour te confirmer en tant que maître d'œuvre, constructeur dans notre ordre. Depuis moult années, tu as été à nos côtés comme compagnon, n'hésitant pas pendant la croisade à prendre les armes dans notre poste pour défendre Jérusalem contre les Sarrasins. Sous notre autorité, toi, enfant de Pythagore et d'Euclide, as pu étudier ton oblard en Égypte et chez les Assassis du vieux de la montagne, avec qui nous entretenions des relations de chevalier à chevalier. En pays franc, tu t'es parfait dans moult villes, aussi bien dans le roman, l'art ancestral, que dans le nouvel art qui laisse entrer la lumière au cœur de nos cathédrales. Nous t'avons confié dans la région moult constructions de commanderies et d'églises. Nous te savons homme d'honneur et de courage, aidant autrui. Très savant et bon mari, je salue ta dame ici présente. Maintenant, compagnon à genoux. Moi, Jacques de Casalibus, commandeur et frère élu du Temple, en ce jour de l'an de grâce 1175, après notre Seigneur, te demande de jurer à la face de Dieu, fidélité à notre ordre, en tant que clerc séculier et maître d'œuvre. Nos secrets et tout ce qui concerne l'ordre devront être divulgués à des tiers sous peine de bannissement et de mort de ton âme. Le jures-tu ? Je le jure. Moi, Jacques de Casalibus, commandeur et frère élu du Temple, t'adoube par les pouvoirs seigneuriaux qui me sont conférés. Je te remets l'épée aux armes du Temple. Et ceci, pour que tu n'oublies pas ta jurée solennelle. Que cette épée soit le garant de ta jurée de maître d'œuvre et de chevalier. Que ta dame sache te rappeler tes devoirs spirituels et temporels. Debout, magister chevalier. Voici la bannière des compagnons de notre ordre. Ainsi que le sceau de Jérusalem qui marquera tes œuvres. Allez sous notre bénédiction et dans la gloire de notre étendard, le Beaucéan. Que la protection du Très-Haut vous accompagne. Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. Également quand des gens nous sollicitent, comme ce soir, et pour des causes comme celle de ce soir, nous animons tous les lieux chargés d'histoire. Et je souhaiterais faire venir mes amis ici à côté de moi. Je vais vous demander de les applaudir, parce que ce sont tous des bénévoles. Tous les costumes que vous voyez ont été faits entièrement par les gens. Les
scénario, tout a été réfléchi, écrit, évidemment basé sur l'histoire. Et je vais demander de les applaudir car si nous ne sommes pas des comédiens, nous n'en sommes pas moins capotables. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Francis, ça quand même.